because here I am in my home. I'm not connected. I'm not with family. I'm not with loved ones. And many of you hosts are not with your family, your loved ones, your coworkers. And I think it's times like this, these types of isolation, where it really is that we need to be more connected than ever. And I wanted to use this talk to really connect us better again, you know, host and us. And the last few weeks have been truly devastating. Global travel has stopped. Borders have closed. Over 3 billion people are in lockdown. Over 50 airlines are grounded. Hotels are down to 10% occupancy. The CEO of Marriott said they're a 92-year-old company, and they've lived through the Great Depression and World War II. And neither of those two crises were as bad as COVID-19. In fact, it's worse than 2008 and 9/11 combined. And I know that this is not only hard on us. Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 250 millions de dollars qu'Airbnb a annoncé hier soir. Le CEO donc d'Airbnb a annoncé qu'il allait débloquer 250 millions de dollars, qu'il allait reverser aux propriétaires Airbnb, à tous ceux qui font de l'hébergement sur Airbnb, qui ont des appartements ou des maisons sur Airbnb à disposition, dans le cadre du programme et des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, donc toute la série d'annulations qu'on a pu enregistrer sur les mois de mars, sur les mois d'avril, mais également sur les mois de mai. Il y a eu derrière toute une vague de protestations des propriétaires Airbnb, puisque du jour au lendemain, tout simplement, si tu es comme moi, que tu fais la location sur Airbnb, tu t'es retrouvé avec tes calendriers tout vides. Tout s'est vidé en l'espace de quelques heures, ou on va dire de quelques jours, suite au confinement, suite à l'annonce, aux différentes annonces, comme quoi il allait falloir limiter nos déplacements. Ensuite, après, on a eu une annonce comme quoi on allait rester confiné, et puis on voit bien que ça se reporte de semaine en semaine. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va donc rentrer dans une phase où on va être déconfiné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre nos déplacements habituels. Et donc, du coup, ça a eu automatiquement pour effet quoi ? Eh bien, que toutes les réservations qui avaient été faites avant le 14 mars, toutes ces réservations-là, ont été automatiquement mises en annulation. Enfin, automatiquement. Disons que tous ceux qui avaient prévu de voyager, de séjourner dans tes appartements, Airbnb, clairement, leur a favorisé, c'est-à-dire qu'a mis en place un programme spécial qui leur permettait d'annuler le jour même, voire même le lendemain, ça pouvait arriver aussi, de se retrouver avec donc son appartement. La personne ne voyageait pas, ne venait pas. Et donc, du coup, une annulation directe et instantanée, sans tenir compte des différentes politiques d'annulation qu'on a habituellement sur Airbnb, la possibilité soit d'être en mode flexible, soit d'être en mode modéré, soit d'être en mode strict. Tout ça a été complètement gommé et Airbnb, il avait juste besoin de sélectionner qu'on ne venait pas pour des raisons liées donc au Covid-19. Alors, je ne suis pas là pour discuter si c'est bien ou pas bien. Le fait est qu'on s'est retrouvés en tant que propriétaires, avec des appartements, avec des calendriers complètement vides, sachant que on a forcément, nous, derrière, des charges liées à nos appartements. Si tu fais de la sous-location, on avait nos loyers à payer. Si tu fais de l'investissement locatif, on a nos crédits bancaires à payer tous les mois. Et derrière, on se retrouve avec zéro chiffre d'affaires. Donc, il y a eu toute une vague de protestations. Et ça a eu pour effet, derrière, de faire réagir Airbnb. Et donc, Airbnb a fait une annonce spéciale hier soir. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo. Ça va m'encourager à te livrer toujours et encore plus de vidéos. Comme tu le sais, je livre énormément de vidéos sur tout ce qui est Airbnb, location courte durée, sur la sous-location, la conciergerie Airbnb, l'investissement locatif. Je suis vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans l'immobilier, qui a une expertise particulière sur tout ce qui est location courte et moyenne durée, donc tout ce qui est Airbnb notamment. Et donc, je te livre des vidéos très fréquemment. Donc, un grand pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer et à te livrer toujours et encore plus de contenu totalement gratuit sur cette chaîne YouTube. Et si toi tu es intéressé et tu souhaites être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur les différents sujets que j'ai pu t'aborder juste avant, je vais t'inviter tout simplement à t'abonner à cette chaîne tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes, puis t'hésites pas aussi à cliquer sur la petite clochette, ça te permet d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer et avant de parler de ce sujet-là, parce que c'est vraiment important, parce qu'il faut bien comprendre ce qui va se passer, je vais t'offrir
trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif dans le cas d'une exploitation en location courte durée. Si tu es intéressé par cette formation, tu vas la découvrir tout en bas de cette vidéo. Si toi, tu souhaites te lancer dans la sous-location, c'est pareil. Je t'ai préparé une formation gratuite qui dure à peu près 3 heures à découvrir également en bas de cette vidéo. Tu déroules, tu verras, il y a des liens. Et si toi, tu souhaites lancer une conciergerie Airbnb pour accompagner des propriétaires qui vont sur ce type d'exploitation, eh bien, je t'ai préparé une formation qui dure à peu près 3 heures gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler donc des 250 millions de dollars que donc Airbnb a mis sur la table pour rembourser et pour aider les propriétaires justement à couvrir leurs charges et les aider dans cette période difficile, puisqu'ils se sont bien rendus compte que derrière, il y avait toute une vague de protestations. Et je pense peut-être même que contractuellement, il y avait vraiment une limite par rapport à ça. Et je ne suis pas certain qu'Airbnb, derrière, ne risquait pas un procès retentissant, puisqu'il a clairement outrepassé les différents contrats qu'on signe et que les locataires signent en ligne, tout simplement, en fonction de différentes politiques d'annulation. Donc là, c'était un cas exceptionnel. Donc honnêtement, je ne suis pas juriste, donc ça mériterait, je pense, d'investiguer, d'essayer de comprendre le fonctionnement juridique par rapport à ça. Mais je pense qu'aussi Airbnb a voulu calmer le jeu. Et je pense qu'aussi, c'est encore une fois, Airbnb projette donc de rentrer en bourse. Alors en ce moment, ce n'est pas forcément le bon moment, mais ils avaient projeté de rentrer en bourse en 2020, je pense être reporté pour 2021. Et je pense que dans ces moments-là, Airbnb, au contraire, préfère, je pense, débloquer une somme d'argent et taire le problème et derrière, accompagner les propriétaires. Mais on va voir que c'est dans des cas bien spécifiques et on va voir exactement comment ça se passe. Donc, la première chose déjà, c'est qu'Airbnb nous indique que donc ça sera une réservation qui a été faite au plus tard le 14 mars, ok, pour une arrivée entre le 14 mars et le 31 mai. Donc, toutes les réservations qui avaient été faites avant le 14 mars avec une date d'arrivée théorique entre le 14 mars et le 31 mai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les voyageurs peuvent donc annuler, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont annulé très clairement, ils ont été remboursés, mais nous derrière, comme je te l'ai dit, on s'est trouvé des calendriers totalement vides, plus aucune réservation. Eh bien, ce qui se passe, c'est que donc là, on est éligible donc à cette somme d'argent qui est donc disponible. Comment ça se passe? C'est 25% que Airbnb va nous rembourser par rapport à nos conditions d'annulation. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le détail par rapport à ça pour que tu comprennes bien ce que ça représente exactement. Parce que je pense que beaucoup de personnes, si tu as déjà vu l'annonce qui a été faite par Airbnb, tu as dû dire c'est 25% de ma réservation. C'est absolument pas ça. Je vais t'expliquer vraiment comment ça va réellement se passer. Donc Airbnb nous indique qu'ils vont libérer, ils vont nous contacter, on va recevoir un email avec le détail très exact de combien on devrait recevoir courant le mois d'avril. Donc c'est des choses qu'il va falloir suivre attentivement, bien évidemment. Et donc là, ça couvre du 14 mars au 31 mai et tout ce qui est les réservations qui ont été faites après le 31 mai qui ont été annulées, eh bien, dans le cas du Covid-19, encore une fois, là, pour l'instant, Airbnb réfléchit, ne sait pas trop comment ce qu'il a prévu de proposer donc aux hosts, donc aux propriétaires, à tous ceux qui ont mis leur appartement sur Airbnb. Alors, je reviens à cette histoire des 25%. Donc, ce n'est pas 25% sur la réservation, sur le montant de la réservation, mais c'est bien 25% sur la somme que tu étais censé récupérer dans le cadre des conditions, dans le cadre donc de ta politique d'annulation. Donc, c'est 25% lié donc à ton annulation. Donc, les annulations, je te rappelle brièvement comment ça fonctionne sur Airbnb. Tu as 3 gros modes, on a 5 au total, mais c'est 3 principaux. Tu as donc un mode donc flexible. Ok, tu as un mode modéré et tu as un mode strict. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'Airbnb va regarder toutes les réservations qui ont donc été concernées, qui ont été annulées dans le cadre du Covid-19 entre le 14 mars, donc je le remets juste ici, entre le 14 mars et donc le 31 mai. Voilà. Donc Airbnb va prendre toutes ces réservations qui ont eu lieu entre ces dates-là, qui ont été donc annulées par les voyageurs dans le cadre du Covid-19. Et du coup, il va vérifier le type d'annulation que tu avais mis en place à cette époque-là. Donc, pour rappel, le mode flexible, c'est donc, c'est 100%
Donc 100% donc de remboursement. Donc 100% remboursé. Donc un jour avant. C'est-à-dire que donc le mock flexible, pour rappel, c'est-à-dire que si les personnes, comment dirais-je, annulent le jour même, par exemple, de leur arrivée, ils perdent la première nuit. Les autres nuits sont remboursées, mais au moins la première nuit, eh bien, ne leur est pas remboursée. Le mode modéré, c'est différent, c'est... Donc, le mode modéré, c'est 5 jours avant. Donc, 100% 5 jours avant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitaient être remboursées, imaginons, ils s'étaient pris 5 jours avant leur arrivée, si tu étais en mode modéré, ils profitaient de 100% de l'annulation, donc ils étaient remboursés intégralement. Et ce qui se passe donc, sur Airbnb, c'est que, en fait, si par exemple, les personnes avaient réservé, donc imaginons, pour le jour J plus 5, ok, donc là, on est le jour J, donc là, ils arrivent avant leur date, donc imaginons, c'est jour J moins 1, donc on est juste ici, donc on est, imaginons, donc là c'est jour J de leur check-in, on est à J-1, ok, de leur arrivée, donc là 1, 2, 3, 4, 5, donc là J-1, en fait tu perdais donc 1, 2, 3, 4, 5, tu perdais 4 nuits, ok, et finalement tu étais remboursé que de la dernière nuit, parce qu'en fait, ils considèrent que donc en mode modéré, c'est 5 jours avant. C'est-à-dire qu'en gros, ça nous laisse 5 jours derrière. Donc, il fallait qu'ils s'y prennent au moins 5 jours avant. Et si c'était vraiment à J-1 de leur arrivée, bah, en fait, ils étaient remboursés. Ils n'étaient pas remboursés des 4 premiers jours, mais ils étaient remboursés ensuite eh bien, de tout le reste de la réservation. Ça a toujours fonctionné comme ça, mais c'était juste un bref rappel. Et le mode strict, là, le mode strict, c'était totalement différent. Donc là, c'était 50%. Si c'était 7 jours, donc avant le check-in, donc en gros, si la personne annulait 7 jours avant le check-in, toujours pareil dans ce même type de fonctionnement, et bien du coup, le voyageur était remboursé de 50%. Et sinon, donc 0% si c'était vraiment avant les 7 jours. Il perdait la totalité donc de la réservation. Et tu avais un 100% si c'était dans les 48 heures. C'est-à-dire que si par exemple la personne réservait le jour J par exemple pour une arrivée demain et que finalement elle annulait, elle était remboursée 100%. Donc ça, c'était le fonctionnement que normalement qui aurait dû fonctionner même durant cette période du Covid. C'est comme ça que ça aurait dû fonctionner et c'est comme ça qu'on aurait dû être remboursé par rapport au contrat et par rapport à tout ce qui est contractuel sur Airbnb, par rapport aux arrivées des voyageurs et par rapport aux réservations. Sauf que Airbnb n'a pas du tout tenu compte de ça. Airbnb a mis tout le monde systématiquement en flexible. Il a complètement, c'était même un super flexible, on va dire, un flexible plus, puisque ce qui se passait, c'est que même le jour même, tu perdais même pas ta nuitée, tu étais intégralement remboursé le jour même, voire même le lendemain. Si tu décidais que, voilà, si tu démontrais que tu n'étais pas venu parce que tu avais été bloqué par rapport au Covid, ils te remboursaient l'intégralité, même si la nuit avait déjà en temps entamé. C'était vraiment un mode flexible plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Airbnb, en fait, ils vont prendre toutes les réservations de tout le monde et ils vont vérifier dans quel cadre était ta réservation. Donc, si par exemple tu étais en mode flexible, je te le dis, sur tes listings, eh bien, tu vas toucher pratiquement rien, puisqu'en fait, tu étais concerné uniquement sur la nuit en question où ils annulaient, c'est-à-dire que s'ils avaient annulé le jour même de leur arrivée, normalement, tu devais toucher ta première nuit. Et du coup, tu vas toucher 25%. Ok ? C'est vraiment 25% de ta politique d'annulation. Donc, en mode flexible, très clairement, tu vas toucher quasiment rien, puisque si les personnes s'y sont pris 24 heures ou 48 heures avant, en mode flexible, ils pouvaient annuler leur réservation. Donc, 25% de zéro, ça fera donc zéro. Donc, tu toucheras pratiquement rien. Si tu étais en mode modéré, c'était 5 jours avant. Donc là, ça va risquer de te concerner un peu plus, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont annulé quelques jours avant leur arrivée. Donc là, on voit bien qu'on va risquer de rentrer dans cette politique-là. Mais encore une fois, c'est vraiment lié au calendrier. C'est-à-dire que si c'était une longue réservation de plus de 5 nuitées et que la personne s'y prend le jour même, effectivement, les 5 premières nuits te sont dues, mais tout le reste ne t'est pas dû. Tout le reste est annulé automatiquement et remboursé. Donc, tu vas toucher 25% des 5 nuitées qui t'étaient dues, et encore une fois, si c'était le jour même. Si c'était 24, 48, 72 heures avant, on décale d'autant.
Donc, imaginons, c'était 2 jours avant, eh bien, ça veut dire que tu vas te rembourser de 3 nuitées, ok? Puisque du coup, eh bien, ils vont prendre les 3 nuitées en question et tout le reste après, ça, donc c'est 25% des 3 nuitées et tout le reste, bien entendu, est intégré, est inclus dans le programme d'annulation. Et enfin, c'est le mode strict. Donc là, le mode strict, c'est ceux forcément qui étaient dans ce mode-là qui vont toucher le plus, puisque là, c'était vraiment 50% 7 jours avant le check-in. Donc là, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont être concernées par rapport à ça. Et si c'était bien avant les 7 jours, eh bien là, c'est 100% de la réservation, 100%. Donc, ça veut dire que là, tu as touché 25% des 100% qui devaient te revenir. Donc, c'est surtout ces personnes-là. Et je pense qu'Airbnb a dû regarder un petit peu par rapport à ce qui allait se passer. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont aussi évalué leurs 250 millions de dollars pour voir un petit peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode flexible, beaucoup, beaucoup. Surtout que c'était un mode qui était effectivement qui correspondait plutôt bien auparavant puisque on prenait des réservations assez régulièrement. Donc, même sur des annulations, derrière, on enchaînait sur une nouvelle réservation, etc., etc. Mais toutes les personnes qui, par exemple, faisaient de la réservation contraire sur au mois, la quinzaine, etc., elles étaient plutôt en mode strict parce que justement, elles voulaient être certaines de bien bloquer leur calendrier. Donc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Et donc, tu toucheras 25% de la somme qui était censée te revenir, que 25%. Donc, tous ceux qui étaient en mode strict, forcément, vont être les grands bénéficiaires de ce fonctionnement. En mode modéré, tu vas également en toucher. Mais si tu étais en mode flexible, là, très clairement, tu vas absolument rien toucher ou très peu par rapport à… Parce qu'en fait, ils considèrent ta politique d'annulation était flexible dès le départ. Donc, eh bien, voilà, ta annulation est rentrée dans ce cadre-là. Donc, c'était vraiment important que je reprécise bien ça dans cette vidéo-là parce que je pense que des personnes vont lire assez vite ce communiqué de presse et ce qui a été dit et du coup vont tout de suite penser que c'est 25% des réservations. Absolument pas, c'est 25% par rapport à ta politique d'annulation. Ce que tu aurais dû toucher, eh bien, tu as touché 25%, un quart de cette somme qui t'était normalement censée te revenir conformément à ta politique d'annulation. Donc voilà ce que je voulais te dire actuellement. Ce que je peux préciser aussi, c'est que maintenant, toutes les réservations qui tombent en ce moment à partir du 14 mars, eh bien, rentrent dans le cadre de la politique d'annulation classique, traditionnelle. Il n'y a pas de motif du Covid puisqu'il part du principe que si là, pour le coup, tu as pris une réservation, eh bien là, c'est vraiment ce mode-là qui s'applique, flexible, modéré ou strict. Sachant qu'Airbnb conseille en ce moment d'aller sur le mode flexible parce que, effectivement, on est dans un cadre vraiment très particulier où on peut avoir des changements de dernière minute sur nos déplacements, puisque normalement on est censé pas se déplacer, mais il y a encore des professions qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'être hébergées. Donc elles forcément bénéficient de cette possibilité. Donc Airbnb a plutôt tendance à nous autoriser à aller sur le mode flexible. On sait aussi qu'on va quitter ce confinement, je pense, durant cette première, je pense, courant mai, très sincèrement, au mois d'avril, ça me paraît franchement très, très compliqué. Donc du coup, là, on va reprendre très certainement un rythme de vie plus, entre guillemets, ça va être mou, hein, on va pas se mentir, ça va être très, très mou. Je pense même qu'ils vont relâcher progressivement, ça va pas être un relâchement immédiat pour tout le monde d'un coup, d'un seul, ça va être progressif. Donc dans quelle mesure, je n'en sais rien. Mais du coup, eh bien, on va pouvoir retrouver très certainement des réservations durant le mois de mai. Donc, Airbnb conseille le mode flexible. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à dire d'aller sur le mode strict parce que là, franchement, tous ceux qui te réservent, par exemple, pour dans une quinzaine ou qui te réservent pour le mois, etc., il faut quand même se garantir de la réservation. On ne pourra pas passer notre temps à prendre des annulations, des nouvelles réservations, etc. En ce moment, le contexte est très, très compliqué, très difficile. Et donc, bien entendu, on a aussi notre business à protéger. Si tu regardes cette vidéo et que tu es propriétaire ou que tu fais du business sur Airbnb, je pense que tu as bien compris les enjeux qui sont en train de se passer en ce moment. Je comprends qu'il y a une crise sanitaire, mais on a aussi, nous, notre crise économique à assumer. Et derrière, personne ne vient nous aider quand on aura nos charges à payer. Et c'est bien ça qui était le mouvement de manifestation et le grondement qu'il y a eu par rapport au host Airbnb qui a fait réagir Airbnb en se disant que oui, si demain, il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus de personnes pour pour proposer des appartements, ça remet le modèle économique totalement en question. Et encore une fois, l'économie, le business fait partie de notre vie. Qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça. On a besoin de tous les corps de métier aujourd'hui pour faire en sorte que notre économie puisse fonctionner et qu'on puisse derrière avoir des personnes qui vont travailler, qui touchent un salaire, qui vont consommer, etc. etc. C'est la vie, elle a été construite comme ça. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, chacun défende ses intérêts dans le cadre de notre crise économique, puisqu'on en vit une en ce moment, hein, très, très clairement. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu ce grondement
immédiat, puisque bah oui, forcément, nous derrière, on s'est dit comment on va résister par rapport à ce tsunami qui est en train de nous tomber dessus. Certes, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise économique qui nous tombe dessus. Et si demain, c'est pour se retrouver sans revenus, sans aucun moyen d'honorer nos engagements, c'est aussi une énorme crise qu'on va vivre tous à notre niveau. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous éclaircir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. Je serais très content de pouvoir y participer et de pouvoir y répondre. Donc, à surveiller. Je ferai très certainement une autre vidéo sur ce sujet-là parce que je pense que les choses ont un petit peu avancé du côté d'Airbnb durant le courant du mois d'avril. Et du coup, je serai là pour vous communiquer plus d'informations si j'en ai et si je peux aussi aider à décrypter ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!